mettre un dos sur. Inspire par le courant. Expire par l'arrière. Le drap devient. Et je me rassois. Je redescends. Je bascule. Talons fesses. Je mets les mains dessous les fessiers. Inspire ici, expire. Je renverse le crâne. Main coude. C'est le poids ici qui va me faire aller vers l'arrière. Puis j'enlace les mains, j'étire, j'essaie de toucher le sol. J'enlace les mains, j'étire. Je pose les mains de chaque côté de mes oreilles. Demi-pont. Inspire ici, expire. Pousse la paume des mains dans les bras. Pont. Inspire, pied en flex. Je regarde vers mon nombril. Expire, pied en pointe, je regarde vers mes pieds. Encore. Une dernière fois. Je rapproche mes pieds et je remonte. Écoute, on va enchaîner le kick-off post. Okay. Ici, je vais placer les mains l'une contre l'autre. Je tends les jambes. Pose bien les pouces et je place le crâne. Et je redescends. Je laisse s'écarter les genoux. Je rapproche des mains vers moi. Je pose les coudes sur mes côtes. Pose le menton, soulève les jambes. Bravo. Puis, je tends les jambes à l'arrière. Inspire ici, expire, lève pied gauche. Je redescends. Et je redescends. Je reviens, croise, descend. Ici, total voyant, il n'y a pas de dimension. C'est tout un dépassement pareil. Très bien. Je vais plier la jambe droite. Ici. Jambe gauche. On avait vu le mois dernier, je tire ici vers l'intérieur. Je laisse glisser le coude, le pied dans mon coude. Je reviens, namasté. J'enlace correctement mes doigts, je pose le crâne à l'arrière. Inspire, expire, ouvre le coude. Je reviens tout doucement. Je laisse la jambe à l'arrière s'allonger. Je plie à l'avant, angle 90. Le but du jeu, c'est que ce soit la poitrine qui pose sur les genoux. Et je viens tranquillement en namasté. Je soulève les pouces, je regarde vers mes pouces.
Parfait, je me redresse tout doucement. Et je vais faire attention que le pied sorte bien du genou ici. Toujours angle 90. Ça va se baisser quand je me baisserai. Tout doucement, vers l'avant. Vers l'extérieur. Comme précédemment, je puis quand c'est fait, je laisse glisser le pied dans le coude, ici. Je viens namaste. Je pose derrière le crâne correctement, puis j'ouvre mon cou. Je ramène tout doucement, je pose à l'arrière. Angle 90. J'aligne le pied à l'arrière, toujours, c'est ma poitrine. Qui veut se poser sur mes genoux. Tu lis quelque chose? Non, c'est bon. Ouverture de la hanche. Assouplissement de la hanche. Et tout doucement, je remonte et je viens déplacer le pied sur l'extérieur du genou, toujours en 90. C'est en allant vers l'avant que je vais faire pouvoir coller les deux pieds bien au centre et je sens que la poitrine se pose ici, sur le mollet. Dernier exercice, donc tu es là, ok, croise, ici main coude, je ne dois pas déborder, si ça fait ça c'est faux, j'enlace main coude, les pieds sont projetés à l'arrière. J'enlace les mains à l'avant correctement et elles forment un mur. Ici, c'est stable, c'est solide. J'enroule, je vais placer le crâne à l'intérieur. J'inspire, expire, je tends les jambes. Je marche sur la pointe des pieds vers moi. Les coudes ne doivent jamais bouger, le plus près possible. Puis, inspire, je plie jambe gauche. Ici, je tends. Forcément, ça va se soulever de quelques petits millimètres. Je repose le pied au sol, je mets le pied en flex à l'arrière et je redescends. Pointe. De l'autre côté, je plie le genou droit. Je tends. Forcément, ça bascule, ça monte. Je repose, flex et je redescends. Puis les deux en même temps. Je fixe toujours mon point, il n'y a que ça qui compte. Je tends.
pieds en flex, les talons vers les fesses. Je redescends, je prends les pieds. Petit Bouddha, relax. Connecte-toi toujours avec ton souffle vital. Ressens la légèreté dans ton corps. Laisse ton âme s'élever. 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 Apprends. Et souris avec tes yeux. Laisse Ashna, ton troisième œil, s'entrouvrir et t'apporter une vision de la lumière sur les mondes visibles et invisibles. Fais confiance à ton instinct. Puis connecte-toi avec Anatta, le chakra du cœur. Il est de couleur verte, comme notre belle forêt amazonienne. Je peux visualiser cette forêt dans mon cœur. Et au centre, il y a une pépite d'or dans ce cœur. Laissez cette pépite scintiller. Étincelez, brillez. N'oubliez jamais que vous êtes et nous sommes toutes des personnes brillantes. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namaste, Namaskaram. Merci Annabelle. Merci à toi.